Pour chaque chose. Il barre d'à côté. Le patron compréhensif, trop compréhensif. Au boulot, ils ont vu quelque chose qu'elle n'avait pas, puis assez de rendement. J'étais convoqué par la DRH, elle était sympa, on était allé retrouver quelque chose qu'elle a dit. Je n'ai pas retrouvé. Pas pu payer. Expulsion, valise. Tiens, elle est là, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. On dirait qu'elle va monter plus haut qu'hier. Ouais, c'est normal, il va y avoir un changement de lune. On va changer de lune? Mais non, mais quand le soleil, la Terre et la Lune sont sur le même plan, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune, les coefficients sont plus forts. Donc, voilà. Ouais. Donc, vous y connaissez, vous, en lune hein? Ouais, j'ai toujours vécu au bord de la mer. J'ai tellement aimé la mer. Passionnément. Non. Moi je découvre. La mer, je la voyais que sur les cartes postales de vacances que recevaient mes parents. Toujours les mêmes. Bon souvenir de Palavas, soleil, pastis et pétanque communion vous embrasse. Les pieds dans l'eau, le rosé est frais, le soleil au rendez-vous. Que des conneries quoi. Tu reçois ça dans ta barre d'HLM, râteau à la Courneuve, bah, t'es contente. Vous avez raison, elle va monter plus haut qu'hier. Ouais, ça, ils vont y arriver avec leur connerie. Je viens de le dire. Arriver à quoi? À bousiller la planète, tiens. Mais ils seront morts avant, c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Après moi, le déluge. Qui ça? Ceux qui tirent les ficelles. Les présidents, les élus, quoi. Non, le fric, le flouze, le pognon, les financiers. Les présidents, ils font ce qu'on leur dit, c'est des pantins au bout de leur ficelle. Ouais, c'est le monde de la finance qui dirige la planète, c'est bien connu. Même moi, j'ai essayé, alors. T'as essayé de diriger la planète, vous? Ben, j'ai fait partie du système. J'ai été 12 ans caissier au Crédit Populaire. On va être sympa, hein. On va pas vous accabler. Vous rendre responsable de tout ce bordel ambiant. Mais non, mais... Non, puis le problème, c'est l'augmentation exponentielle de la fortune des plus gros. Plus ils sont riches, plus ils sont riches. Ouais. Et plus ils dirigent le monde, plus ils dirigent le monde. Mais ils s'en foutent du monde, ils s'en foutent royalement, mon pauvre monsieur. Il n'y a que leur monde à eux qui les intéresse. Parce que nous les gueux, les miséreux, les poussiéreux, là, hein, on fait semblant de gueuler, on fait une petite manie, puis une plus grosse, puis encore une plus grosse. Des usines ferment, hein, la bourse s'écroule volontairement, ça fait la une des journaux, on renfloue les banques avec notre pognon, et puis résultat, qui c'est qui a encore gagné au bout du bout, hein?
On est pourtant plus nombreux que si on voulait. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. C'est qui dit ça? Un Indien. Géronimo, on voyait que ça date pas d'hier. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Moi, maintenant, qu'il a pris. C'est Madoff? Ah, pardon! On prendrait un vieux trader qui vient de se faire virer de chez Lehman Brothers. Mes actions! Rendez-vous mes actions, mes chers amis! On m'a privé de vous! Et puisque quoi? Puisque vous m'êtes enlevé. Oui, puisque vous m'êtes enlevé, j'ai perdu mes supports, ma consolation, ma joie de vivre. Tout est fini pour moi! Eh ben bien fait, connard! Et vous savez, moi, si, même si je suis au bord du gouffre, j'ai pas encore envie de crever, hein. Je peux rebondir, vous savez. Rebondir? Oui, parfaitement. Vous voulez rebondir dans une décharge publique, vous? Vous voulez être chef de la décharge? Président de la décharge publique? Ouais. Ah bah si, c'est ça que vous avez envie, c'est pas moi qui veux vous empêcher de rebondir, hein. Et je vais vous nommer premier ministre. Ah ouais, mais... Et la petite, parce que attention à la parité, hein. Eh ben, ministre de la Défense. Ah oui, mais la défense de quoi? Il n'y a pas un chat des kilomètres à la ronde. Mais la défense de notre territoire contre les rats, les vermines de toutes sortes. Hein? Ah ben les envahisseurs, notre décharge restera libre et indépendante. Et on rétablira les frontières, les barrières douanières, les visas, le retour au pays d'origine, tout. Allez, ça recommence. Voilà. Hein? C'est plus fort que vous, on va administrer 200 mètres carrés de déchets publics. Et tout de suite, ça repart. Le protectionnisme, le renfermement, la méfiance de l'autre, c'est mes poubelles, hein. Toute la merde qui m'entoure m'appartient, et personne ne viendra y toucher. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas assez de merde. Alors on va aller en chercher ailleurs, et par la force s'il le faut, et ramener tout ça chez nous. Chez nous. Pour qu'on soit le plus grand pays d'un moment, ouais. Hein. Et vous allez être le chef de tous les merdeux, ouais. Le plus grand merdeux du monde entier. Vive merdeux premier. Vive merdeux premier. D'autre part, moi, président de la décharge publique, ouais. Je m'engage. Supprimer la finance, seul le troc sera autorisé. Ouais, c'est ça, on échangera de usagers contre un cajon. Et puis le jour où il y en a un qui viendra proposer d'autres usagers, eh ben on sera foutu. Moi, président de la décharge publique, je m'engage à respecter la parité homme femme. Ah ouais, mais on peut pas, on est trois. M'en fous. Moi, président de la décharge publique, je m'engage. Ouais, bon, ça va. Hein, ça va. Parce que c'est facile de promettre tous les bonheurs du monde avant d'être élu, et c'est après que ça se gâte. Ouais. Ben alors, oui. Alors moi, maire de premier, je m'engage à ne respecter aucune de mes promesses. Ouais, que vous allez respecter. C'est maire de premier. Maire de premier. Maire de premier. Maire de premier. Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors vous voulez Samu, c'est la révolution là, vous voulez Samu tout seul et c'est la chenille quoi. Bon, on a un problème. Oh. Eh ben si, on en a avec, hein. Ouais, ça fait une petite taille. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Les ennemis arrivent, on est cerné. Ben, vous ne croyez pas si bien dire. C'est la rapport. Bon, tout à l'heure, je suis partie de ce côté-là. Ouais, peut-être, ouais. Ah, si, j'en suis sûre, je suis partie par là. Et je reviens par là. Et alors? Ben, alors, le problème, c'est que je n'ai fait que longer la plage, en permanence. Bon. Vous faire un dessin? Je marche. J'ai toujours la mer à ma droite. Je longe la plage en permanence et je me retrouve au point de départ. Il vous faut un ordinateur pour piger ou je fais un petit dessin sur le sable? On est sur une île. Oh, bravo! Vous avez gagné une série de 10 mouchoirs à carreaux. Mais comment c'est possible? On est quand même bien tous venus ici à pied, non? Mais vous comprenez pas? C'est d'une simplicité enfantine. Avant, on était sur une presqu'île et maintenant, on est sur une île. Oui, faut juste attendre qu'elle redescende, c'est tout.